tu veux. Arrêtons de naviguer au pif, quel que soit notre genre, notre espèce. On est en train de cuire tout vif, et ça chauffe un max pour nos fesses. Arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là. C'est le courant alternatif, ça s'appelle Alternativa. Alternativa, un de ceux qui veulent, n'hésitez pas. Si votre message passera. Ben non, mais partez pas, il faut passer une annonce là, les gars. Donc à Nantes, on est un des rares alternatives à avoir choisi d'avoir un espace gouvernance, parce qu'on a estimé que c'était une chose très importante, parce que tous les sujets, s'il n'y a pas les moyens de levier en termes de gouvernance, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Et donc, beaucoup des gens qui sont autour de cette place veulent faire passer leurs idées, non pas par nos représentants, mais par l'activité citoyenne, par l'empowerment, par le fait de se prendre vraiment par la main et de faire nous-mêmes nos choix de société et de promouvoir nous-mêmes une manière différente d'agir. C'est pas un sujet qui est toujours très drôle, mais on va essayer de ne pas vous faire un sermon trop trop sérieux quand même. Alors, l'idée de cette conférence est effectivement de présenter des outils alternatifs de gouvernance. L'idée d'Alternativa, c'est de pouvoir influer sur des décisions relatives au climat et à l'énergie. Donc l'idée de ces outils alternatifs, c'est justement de pouvoir influer sur des décisions majeures relatives au climat et à l'énergie. Je suis en relation avec un institut qui s'appelle, qui est une ONG suisse, qui s'appelle l'Institut pour l'initiative référendaire en Europe, qui a notamment initié l'initiative citoyenne européenne. Peut-être que certains d'entre vous ont signé des pétitions européennes. Donc sachez que l'IRI, donc Suisse, a initié cette procédure au niveau européen. Donc si vous avez des questions sur cette question européenne, on pourra vous donner des réponses aussi. Je suis également en relation avec une autre association qui s'appelle Article 3, qui est une association nationale qui a pour but d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne au niveau national et au niveau local. Donc je vous en parlerai également si vous voulez. Alors, quand on parle de démocratie, l'origine du terme démocratie, c'est un mot grec, démos, kratos. Démos, c'est le peuple, et kratos, c'est le pouvoir. Donc, littéralement, démocratie, ça veut dire pouvoir du peuple. Comment ça peut s'exercer, c'est toute la question. Alors, chacun d'entre nous ici, nous détenons une parcelle de la souveraineté nationale en tant que citoyen, puisque nous sommes tous concernés par notre constitution. Constitution de la Ve République, approuvé par tous les citoyens en 1958. Et donc, l'article fondamental, s'il faut en retenir un dans notre Constitution, c'est l'article 3 de la Constitution qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Bon, jusqu'ici, on est d'accord. Qu'il exerce par ses représentants. Là, on va en discuter. Et par la voie du référendum. Référendum, j'en dirai deux mots tout à l'heure. Au niveau de la conception du référendum dans la Ve République. Donc démocratie représentative. Démocratie représentative, ça veut dire que tous les 5 ans, nous élisons des représentants qui sont censés nous représenter et agir à notre place. Première critique que l'on peut faire à ce système, c'est que les représentants agissant à notre place, ils ont tendance, finalement, à nous infantiliser en tant que citoyens, puisque, entre deux élections, les citoyens n'ont plus aucun pouvoir. Ils ont totalement délégué leur pouvoir aux représentants. Et donc, entre deux élections, les citoyens, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont plus rien à dire. La seule solution qu'ils ont, c'est de descendre dans la rue. Donc, ça explique qu'en France, vous ayez des manifestations très souvent dans les rues, parce que c'est la seule façon, entre deux élections, pour les gens de s'exprimer. Alors ça étonne beaucoup les autres pays européens, d'ailleurs, parce qu'ils s'étonnent toujours de voir
le nombre de manifestations qu'il peut y avoir dans la rue. L'autre problème, c'est que bon, il y a une absence de débat, évidemment, puisque les décisions étant prises à la place entièrement des citoyens, il n'y a plus de débat possible entre deux élections. Autre problème de la représentation représentative, c'est le poids des lobbies. Effectivement, il est très facile pour des lobbies industriels, etc., notamment énergétiques, de faire pression sur quelques élus. Faire pression sur le peuple, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc, problème des lobbies. On l'a vu récemment, par exemple, avec le diesel, lorsque certains ont proposé qu'on diminue la part du diesel dans l'automobile au profit des véhicules essence, par exemple. On a très bien vu que le lobby automobile a freiné des deux pieds et a réussi à faire pression pour qu'il n'y ait pas d'évolution dans ce sens. On peut citer beaucoup d'exemples de lobbying très importants, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. La dernière que je peux vous citer, c'est que le commissaire au climat au niveau européen est patron de deux sociétés pétrolières. Donc vous voyez qu'au niveau européen, il n'y a pas grand-chose à attendre de la Commission européenne à ce niveau-là, à mon avis. Troisième problème de la démocratie représentative, c'est le mode de représentation, puisque actuellement 50% des électeurs ne sont pas représentés dans les instances au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple. Ce qui fait que les électeurs ne se sentant pas représentés ne vont plus voter. C'est aussi un problème de la démocratie représentative. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est la démocratie directe. Qu'est-ce que c'est la démocratie directe ? C'est la possibilité pour les citoyens d'initier une loi, donc un accélérateur législatif, ou deuxièmement, de freiner une loi, c'est-à-dire de l'abroger. C'est quelque chose de très important, puisque à partir du moment où les citoyens pourraient initier directement une loi en dehors des partis politiques, en dehors des représentants élus, ce qui se traduirait évidemment par la nécessité d'un référendum à chaque fois. C'est donner du pouvoir au peuple directement, hein, par opposition à la démocratie représentative où c'est une démocratie indirecte. Donc voilà ce que nous souhaitons. Alors je vais vous expliquer simplement à partir d'un exemple ce qu'est la démocratie directe. Auparavant, je vais vous simplement rappeler un peu l'historique de cette affaire-là et vous dire que ce n'est pas du tout une utopie parce que c'est pratiqué dans trois pays complètement. Ces trois pays, vous les connaissez bien, c'est la Suisse avec un système de votation périodique, c'est la Californie, État fédéral américain, donc qui comprend 37 millions d'habitants, le 10e PIB du monde. Donc vous voyez que c'est presque équivalent à la France et que là-bas, toutes les décisions sont prises par démocratie directe. Troisième pays qui pratique ce système, c'est l'Uruguay, petit pays d'Amérique latine. Quant à la France, eh bien, il n'y a rien. Voilà. Nous n'avons aucune procédure de démocratie directe. En Europe, nous avons 11 pays qui ont des procédures de démocratie partielle. Alors, je peux citer l'Italie, où nous avons des procédures de démocratie. Il y a possibilité d'abroger une loi avec une pétition de 500 000 signatures. Hein, 500 000. Et puis, il y a tous les Länder allemands, toutes les communes allemandes ont la possibilité d'initier par des citoyens un référendum d'initiative citoyenne. Il y a d'autres pays également. Donc, nous sommes, je dirais, des nains au niveau démocratique et il faut absolument que les citoyens se bougent pour arriver à faire évoluer le système. Alors, je vais vous prendre un exemple pour vous montrer que ce n'est pas très compliqué. L'exemple que je vais prendre, c'est l'initiative des Alpes suisses en 1994.
comment ça s'est passé? Tout d'abord, il y a eu un comité de citoyens qui s'est monté. En Suisse, il faut 7 personnes. 7 personnes et maximum de 27 personnes. Ces 7 personnes ont rédigé un texte, proposition de loi, qui disait « Nous souhaitons que les camions soient mis sur des trains pour traverser la Suisse ». Exemple intéressant, vous savez que la Suisse, ce sont des grandes vallées, avec d'un côté la route, de l'autre côté la voie ferrée. Et les Suisses se sont dit, enfin, ce comité d'initiative s'est dit, mais c'est un peu idiot que les camions passent sur les routes alors qu'ils pourraient passer sur les trains. Donc l'idée, ça a été effectivement d'obliger ces camionneurs à charger sur les trains, à monter sur les trains leurs camions et ensuite à traverser la Suisse comme ça. Donc ils ont déposé une pétition au gouvernement suisse, rédigée. Le gouvernement a dit, elle a regardé, parce qu'il y a certains critères d'acceptation ou pas de l'initiative. En particulier, une initiative ne doit pas être contraire aux droits de l'homme, par exemple. Une initiative doit être assez claire dans sa matière. Et puis, la question doit être assez claire. Donc, le gouvernement l'a examinée, a dit, OK, votre initiative, elle est correcte, on peut l'accepter. Donc le gouvernement suisse a donné 18 mois aux pétitionnaires pour recueillir les signatures. Les signatures en Suisse, il faut 100 000 signatures pour obtenir, pour que la pétition soit valable. 100 000 signatures, ça représente 2% du corps électoral. Retenez bien ce chiffre, 2%. On va pouvoir le comparer avec d'autres propositions qui ont été faites en France, qui sont un peu plus farfelues. Donc 2%, ça veut dire qu'il fallait, dans les 18 mois de l'initiative, que les citoyens, que le comité d'initiative recueille ces 100 000 signatures. Donc c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et pourquoi ce délai de 18 mois? Parce que ça permet d'avoir un débat dans le pays. Donc c'est quand même très intéressant à ce niveau-là. Il y a les pour, les contre, tout le monde réfléchit, tous les citoyens sont impliqués dans le débat. Au bout des 18 mois, ils ont envoyé leur pétition au gouvernement, qui l'a reçue. Et en Suisse, c'est le Parlement donc, qui décide de la suite. Alors, le Parlement a lu le texte. Il a dit, moi, ça ne me convient pas. Je ne suis pas d'accord. Ce que vous proposez là, ça ne nous convient pas. Il y a vraisemblablement eu des pressions du lobby pétrolier, des lobbies de transporteurs, etc., ce qu'on peut comprendre, mais voilà. Donc, dans ces cas-là, l'initiative a été soumise à référendum. Hein, quand le Parlement dit non, c'est le peuple qui a le dernier mot en Suisse, toujours. Donc, l'initiative a été proposée au vote, et le référendum suisse, en 1994, a voté ce texte. Et si vous regardez dans la Constitution suisse, les transporteurs routiers sont obligés de mettre leurs camions sur les trains en Suisse. Sauf quand il n'y a pas de voie ferrée. Donc, vous voyez, pouvoir du peuple direct, c'est ça la démocratie directe. Alors, pour ça, il faut deux outils. Il faut la pétition. Bon, ça, c'est assez facile. Tout le monde en a signé, on sait ce que c'est. Et l'autre point important, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Il faut cet outil. Et pour cela, il faudrait une modification constitutionnelle de l'article 3 de la Constitution. Alors, c'est ce que l'association Article 3 propose, c'est de modifier le texte de la Constitution avec deux mots. Il suffit de rajouter deux mots dans l'article 3. J'ai ici le texte de la pétition, enfin de l'initiative que l'on propose. Pour ceux que ça intéresse, donc il y a une pétition en ligne qui peut être signée. Donc ce qu'on propose, c'est de rajouter dans l'article 3, la souveraineté nationale s'exerce par les représentants et par la voie du référendum d'initiative citoyenne. On rajoute deux mots dans la Constitution. On n'a pas développé les modalités précises parce que ça, on laisse le soin aux députés d'affiner le texte par la suite. Mais on souhaite qu'il y ait une prononciation sur le principe du référendum d'initiative citoyenne.
Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire. En tant que citoyen, c'est à nous d'agir. On peut tout à fait... donc l'idée, c'est... Cette pétition est lancée depuis le début, début 2014. Vous allez sur le site article3.fr et donc c'est une pétition en ligne. Il n'y a pas énormément de gens qui ont signé pour l'instant, mais on profite de ces événements pour la faire connaître. Voilà, donc je vais passer maintenant la parole à François, donc, qui va nous parler démocratie représentative, sachant que il ne s'agit pas de supprimer la démocratie représentative, il s'agit pour nous de la compléter.